Participer une deuxième fois à ce voyage m'a permis de revivre des émotions que j'avais oubliées dans les derniers 2 ans. L'expérience était donc aussi touchante que la première fois. J'étais vraiment déçue et troublée de voir que même après 2 ans, rien n'avait changé. Les gens avaient grandi et la pauvreté et la misère avaient grandi autour d'eux aussi. J'ai donc réalisé depuis mon premier voyage en 2011 combien nous sommes chanceux au Canada. Ce que j'adorais de ce voyage, c'est de revoir les visages familiers, surtout celui de Nando, que je parlerai maintenant. Tout le monde devrait avoir la chance de vivre cette expérience. Wow, quelle belle expérience! Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ce voyage missionnaire. J'ai trouvé les religieuses exceptionnelles. Elles seront dans mon cœur et mes prières pour toujours. J'ai beaucoup appris de la Igara grâce à ce voyage missionnaire. Les Haïtiens m'ont beaucoup marqué. C'est difficile de croire qu'il y a encore des gens qui vivent dans la pauvreté et la misère. Ces esclaves ont toujours le sourire à la bouche. Gracias à la congrégation des Filles de Marie, ma mission n'est pas terminée.